n'est que le début. La quête du saint couteau ne fait que commencer. Je... Excusez-moi, vous avez dit couteau? Parce que je suis investisseur en... Je tourne une vidéo en case opening, où je me permettais de noter un petit peu ce que vous marquez. Vous voulez quoi Les pourcentages sont pas tout à fait exacts, là, notamment sur la limite de X en... Non, mais moi, j'ouvre des boîtes et j'ai des couteaux en vidéo. Je suis pas comptable, en fait, je suis pas... Alors, non, parce que moi, j'ai fait un bac plus 8. Je pense pouvoir vous donner quelques conseils. Si vous me laissez, par exemple, le tableau, je peux faire 2-3 petites équations qui vous aideront, notamment à gagner un peu plus d'argent, parce que là, je vois qu'on est sur un seuil de rentabilité négatif. En fait, moi, j'ai la boîte Shanghai à 500 $. Je voulais juste l'ouvrir en vidéo et... On dit vers l'infini de toute façon. Ouais. En fait moi j'ouvre juste des boîtes. Ah. J'ouvre juste des boîtes. Non. Ouvrir des boîtes c'est pour les débutants. C'est pour faire des vues sur YouTube. Moi je suis investisseur en case opening. Je suis pas là pour faire de l'humour. D'accord. Y'a pas assez de place pour calculer les dérivés. Je peux faire mon travail? Bah je me mets derrière. Mais allez-y hein. Bonsoir messieurs dames. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Maxime, bonsoir. Bonsoir. On a fait un petit case opening sur sa chaîne. Ça s'est bien passé? Je suis devenu expert. Alors dans cette partie, on va tout simplement essayer d'être un peu plus rentable que dans la tienne. Je l'espère. Est-ce qu'on placerait pas le petit code promo? Est-ce que le code promo serait pas le même que sur ma chaîne, c'est-à-dire KONAR, connard? Exactement. Nous sommes sur Elcase, site d'ouverture de caisse, mesdames et messieurs. Vous pouvez aller sur le petit plus là-bas, vous mettez le petit code KONAR. Utilisez. Paf, vous avez de l'argent sur votre compte et paf, vous pouvez ouvrir des boîtes. Ok, bon, ça s'est pas très bien passé avec toi. Tout non, à l'heure. Je te dis, j'ai fait des études. Donc là, c'est quoi du coup, ça veut... Laisse-moi faire, et selon les équations, selon les équations que je calculerai, je te dirai si, qu'est-ce qu'on fait. Donc en gros, t'essayes de calculer tout ce que je vais dépenser, tout ce que je vais gagner, Maxime. Il faudra qu'on soit rentable à un moment donné. Très bien. Moi, je suis un investisseur. Il y a 3 choses dans la vie qui rapportent de l'argent. L'or, l'immobilier... C'est parti, je pars sur de l'ouverture. Est-ce que vous saviez que le mouvement de votre souris est traqué en temps réel pour définir votre excitation? Ah. En fonction là, je me sens de excité. Votre comportement souristique, vos chances de survie sont affaiblies. Soyez calme. On part sur du gros dès le début, moi j'ai pas froid aux yeux. On part sur de la diamond, c'est du 200 dollars. Attention, prépare tes calculs. Attends, les paramètres. Une caisse. Fois 200 dollars, hein. 0 centime. Refais la vitesse de ta souris. 1 cm par seconde. Est-ce que tu as touché au clavier depuis le début de la vidéo? Oui, c'est pour écrire le code promo connard. Quelle touche? K-O-N-A-R. T'as un facteur en fait plus. Moi d'habitude, genre les boîtes je les ouvre à balle quoi, à fond quoi, je balance la boîte. Là j'ai pas l'impression que ça va balancer. C'est la précipitation qui vous cause du tort mon jeune Cyril. Ah. D'après mes calculs, faut que vous cliquiez. Quelque chose. Oh, oh ben... Déjà on a gagné 423, c'est déjà délire. Ok, notre opening qui commence. Les calculs hein. Là derrière il y avait une dragon lore, hein. Les dragon lore ça part sur du 1000 mais... Derrière il y avait surtout des études. Du coup là tu calcules, on a ouvert une caisse à 200, on a gagné 423. Voilà. Si on s'était précipité, dans l'os qu'on l'avait, la caisse. Bah là je le sens, j'ai le feeling, je relance. Hein. Attends. T'as fait des allers-retours derrière moi, ouais. Combien? J'ai fait 2 comme ça, 1 comme ça. En levant les bras de la même manière? Ouais, comme ça, j'ai fait comme ça. Ok. Faut multiplier le prix qu'on vient de gagner, ouais, fois la vitesse de déplacement de ta souris. Déplace là. Oula, on est quasiment à 10 cm seconde. Hein. D'après mes calculs, Cyril, faut que tu cliques. Allez! Fils de p... Attention, oh la dragon! On est bon là! 225, on regagne. Eh, on est à combien de gains du coup? Là, on est à 250. 250 de gains. En 2 clics, le gars. Le gars arrive, il sort sa vidéo. Plus l'infini. Écoute, là. Si je t'explique un petit peu notre équation, on a notre rentabilité qui tend. Vers l'infini, x ouais. Tend vers l'infini, c'est la limite, c'est notre limite. Et notre fonction dérivée f', elle, divisée par la fonction, pas dérivée, hein, juste ouais. F, en x, est égale à epsilon' par x sur 2. Ça, c'est ma petite variante qui me permet notamment d'accroître mon pourcentage de risque en multiplate de 7%. Le lundi et le mardi uniquement, bien sûr. Fais un rond, voilà, et maintenant fais un parallélépipède en restant dans le cadre des 200, parallélépipède. La diagonale, Pythagore, x carré sur 2. Et on clique. Ça part. Allez. Allez. Oh putain de merde. Elle est pas loin. Elle me regarde comme ça, la dragon. Elle me dit toi, tu vas voir. Eh ben on va partir en upgrade, ça, on améliore. Parlons en upgrade. Je prends le couteau comme ça, on part sur une base de 68 $. Et je pars direct. Oh j'ai pas peur. Là je sens 95, 71% de chance. Ça part. Mais calcule bien Léon. Mais calcule. Ah ben non. Pas besoin de tes calculs, allez hop, ça part! 8 ans d'études pour rien! Upgrade! Ça part!
Mais je te dis, on est sur ma chaîne là, je suis là, je suis chez moi. On est à la maison, j'upgrade encore. Regarde ça, la WAP, Onitaji, elle est belle. Allez. J'ai peut-être été un petit peu trop chaud. Non. On est bon. Non. Et on l'a appris à l'école, la précipitation, ça marche aussi. Bobby Knife, t'en penses quoi? 70% de chance, on a un petit écart de $100. Je lance? Oh oui. Allez. On a commencé sur une caisse à 200. Je fais le graphique. On a perdu, on est descendu à 68. Mais là, le gars il upgrade, le gars il s'arrête pas, le gars il monte à 266. Il est bien plus haut, ouais. Et on se stabilise à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On recontinue? À mon avis, le cadre de cette caméra ne sera pas assez haut. Allez! On a tout perdu là. On a perdu tout là. Tout l'upgrade de l'upgrade. C'est des coups durs qui arrivent, et ce qu'on a appris à l'école, quand on a un petit peu regardé nos équations, quand on perd, il faut doubler le double de... T'as un escabeau? J'ai un fauteuil. C'est pour quand je ferai le graphique. Ouais, quand on va monter les sommets. On a du bon couteau. Hein? Je te dis si c'est bon. Jaune. J'avais apprécié cette couleur, il y a que du jaune, hein, de toute façon. Hein. Là, c'est que du jaune, là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On commence à comprendre que le côté rouillé n'est plus pas payant. Plus c'est rouillé, là, c'est pas ouf. On va l'upgrader, mais de façon violente. Hein? D'accord. On va partir sur du 4. Regarde un peu. Quel est le pourcentage? Ah, d'accord. Regarde un peu. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il y a des surprises, hein. J'ai des surprises, on peut tout. Ben, le maximum, page 67. Non, bah non, j'aurais aucune chance, Maxime. Mais c'est marrant, ça fera. Il y a peut-être 30% de chance de gagner. Si tu regardes bien dans mon équation, qu'on remplace X par 30, au final, on a peut-être un pourcentage de chance qui serait égal approximativement à 27%, regarde. Mais celui-là. Hein? On a 9%. Bon, les calculs sont pas toujours exacts. On a aucune chance. Attends, faut qu'augmenter ce pourcentage à 34%. Oh, celui-là est beau. 27. Si je remplace X par Y, ça peut le faire. Après mes calculs, ça passe. 27%, si on y arrive, c'est le coup de l'année. Le coup de l'année. Allez! Ouais! Là on a gagné du temps. Et là on a gagné de l'argent, ouais. On a gagné de l'argent et du temps. Pas peu fier de la performance. T'as quand même vachement de cul. C'est qu'en fait dans sa vidéo c'était tout l'inverse. Après c'est pas la technique. C'est le jour, c'est la mood, c'est le temps, c'est ouais le... mais t'as pas choisi le bon couteau, les écarts étaient trop grands. Il y a un autre paramètre qu'il faut que j'inclue dans mes équations, c'est la pression atmosphérique. On a tendance à l'oublier. Le vent. Vent. On tente un truc de ouf, on passe sur une M9 Bayonet Tiger Tooth à 243$. D'accord. Donc là, on gagne essaye de l'upgrader, c'est-à-dire qu'on le mise pour un couteau. Balles. On gagne 500 balles. Par contre, si je perds, j'ai perdu le couteau. Hein. Je suis d'accord pour cette stratégie. Tentons-la, essayons d'upgrader à la base avec un skin à 300 balles. Essayons de l'upgrader jusqu'à 764. C'est maintenant. Ça, c'est le 5 couteaux, je te le dis. Ça. C'est raté. Non, c'est pas raté. Oh mec, mais c'est dingue! Mais je veux jouer à ce jeu tous les jours de ma vie! Aimez-moi, agenouillez-vous devant ma présence! Mais cet homme a trop de chance! J'arrête les études! Je veux aller dans la précipitation! Mec, fais voir ta main. Non, il y a un truc. Il y a un truc, je pense qu'il y a un truc. Attends. J'ai les mains moites? Attends, appuie. Upgrade. Oui, d'accord. Mais mec, mais c'est ouf! Mon gars, t'es maudit, dégage! Va-t'en! Arrête! Mais c'est ouf! Il s'est passé exactement la même chose sur sa chaîne. Y'a rien qui change, on est le même jour. C'est tout pareil. À chaque fois que tu cliques, tu gagnes pas. À chaque fois que je clique, je fais même des trucs improbables. Y'a 30%, je réussis. Comment? Ça, c'est paranormal. Refais tes calculs! Y tend vers ma bite. Est-ce que je peux pas les... que tu joues, mais je ne suis pas là, parce que je suis peut-être mauvais, mais c'est peut-être quand même mon influence et ma présence qui te permettent, toi, Cyril, de gagner. Alors ne t'attribue pas non plus tous les louanges. Je vais me mettre dans la salle secrète. Vas-y. Et si tu perds et que je ne suis pas là, eh ben j'ai quand même servi à quelque chose, ok? Ok, j'ouvre une diamant. Attends, j'ouvre, casse-toi et dégage. Suspense. Non, attends, j'ai pas lancé bien. Ouais, si, tu repères, c'est sûr, mon influence te fait gagner. Parce que là, j'ai vraiment eu de la merde. Hein. Et ton projet secret, il est comme ça, hein. Je l'adore. C'est parti. Ah, j'ai eu un couteau bien. Les couteaux, c'est des trucs pointus. J'ai une belle arme. Tu peux pas me vendre un truc. C'est pas possible. On peut donc dire que c'est la force d'un duo. Ma présence, influence, sa victoire. Regarde, refais-le, on va gagner. Oh, oui, ça c'est bien ça! 287! Mais je l'avais pas celui-là, je l'avais pas! Ça fait 2 ans que j'essaie de l'avoir, mec, tu te rends compte ou pas? C'est juste ça ma présence! 2 ans! Merci! C'est mais pas forcément le truc de ouf, j'ai gagné quand même 87$, mais ça fait vraiment 2 ans que je veux un Glock Fade! Y'a pas de soucis, mec! Ça dit pas d'emménager un petit peu quelques jours et je là. Fais un maximum de case opening! Reste là. Mais c'est le duo parfait, c'est tout! Est-ce qu'on serait pas un petit combat de caisse? Faisons un combat de caisse! Gagne ça là, 70, regarde! Ça part? Ça part! Pouf! On fait un combat de caisse! Celui qui a le plus gros couteau remporte les deux couteaux! Attention, général Butnan, c'est toi et moi.
Tu t'es trop approché. J'ai touché le bureau, mec, je suis désolé. Je t'ai dit, faut pas. Attention, c'est, non, c'est là où je me suis fait piéger parce que vous avez tendance, vous savez pas trop ce qui se passe. Faut pas que je touche de la technologie. Mais là, on pourrait dire, Amixem, t'as touché un bureau, c'est pas de la technologie. Faux, il est sur vérin. Ça, vous ne voyez pas, mais regardez. Et c'est là que je me suis fait avoir. Restons, je reste derrière. Le tapis n'est pas un tapis connecté. Non. Je reste là. Attention, il y a des câbles. Regarde ça, 400$. Allez. Allez, une petite Dragon Lore, là, ce serait le pompon. Comptable ou je suis pas comptable? Regarde ça, elle passe tout le temps. Oh nice, ça c'est bon. C'est bien. Ah oui, on a gagné 180, mec, on fait que gagner. Y'a pas de soucis. Maxime, tu es mon trèfle à 3 feuilles. Exact. Les trèfles à 3 feuilles, t'en trouveras vraiment beaucoup. Le mec essaye de faire un compliment, mais il arrive pas trop. Tu es mon trèfle à 2 feuilles. Est-ce qu'on serait pas un petit contrat, regarde ça. Hop. Je sais pas ce que c'est, mais faisons-le. Hein. Je vais te signer un contrat, regarde. Ça, c'est des trucs bof. Je vais les échanger un peu à la roulette. Je les lance comme ça, puis je vais peut-être avoir mieux. D'accord. Je dépose 250 et je peux gagner de 125 à 751. J'ai ton approbation. Attends, je vais signer physiquement. Contrat, j'ai signé. C'est bon. Attention, on a posé 250, on va nous rendre. D'après mes calculs, alors, on a perdu 45 euros. Les gants sont stylés. Tu joues avec ça, t'as la classe. Ça vaut pas 206 balles. Tu veux aller à Shanghai? Tu veux voyager? C'est tu veux bon du pays? Vraiment? Écoute, on a fait de l'upgrade, on a réussi. On a fait combat, on a réussi. On a fait Shanghai, on a été à Tourcoing. Combien en avons-nous? Maxime! Ah bah là ce sera qu'une hein. Nous avons une AWAP Dragon Lore. Oui. Estimation de 700 à 2000, 3000, 5000, 1005. Le graphique, il est au-dessus, vous voyez pas, il est là. La M4 All, on dit je pars sur du 1000. 40 bits lore, je peux partir sur du 1000 s'il est neuf. Attention, c'est parti, je... On touche pas, on touche à rien s'il te plaît. Dragon Lore. Ce serait la vidéo de... Oh non, fuck. Elle était à ça. Oh, c'est quoi? 800, ouais. Mais c'est positif. Mais d'après les calculs, c'est une c'est bon. 47 Fire Serpent Factory New. Elle est neuve. Ça veut dire que c'est insane. Elle est neuve, c'est genre c'est rare. T'étais si déçu alors que tu viens de gagner 4. En fait, j'ai dit ah ouais, c'est une Fire Serpent genre Battle Scare, c'est-à-dire un petit peu endommagé, on part sur du 200$. Là, j'ouvre, boum, c'est quoi? Factory New, ça n'arrive jamais. D'accord. C'est le fait qu'elle soit neuve. Elle est neuve, jamais utilisée, regarde ça. Là par contre, Cyril, tu viens de gagner 300. Ça veut dire qu'on peut-être envisager tous les deux repartir à Shanghai. Non? Qu'est-ce que c'est que ce regard de ta gueule? Shanghai! 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 Ah, bon, on l'a récupéré. Mais sur une affaire, non, bah écoute. Mais non, j'ai gagné 300 parce que quoi, la différence. Quoi? Parce que je l'ai récupéré, j'ai dépensé 500, j'ai gagné 800, je l'ai revendu 800, j'ai revers 500, j'ai gagné 800, la différence de 300 est donc. Dans mes poches. Mec, c'est genre le meilleur case opening de ma vie. Je peux en faire tous les jours. Je suis là, mec. Je peux en faire tous les jours. Mais là, on fait demain, après-demain. Non seulement, on a des armes à 700, 400, 800, et regarde, je retourne à 1100$. Des chiffres, ça part. Qu'est-ce qui se passe? 40 bits l'or. Ah merde, on a perdu 50. Eh, c'est que je peux encore en ouvrir une, hein. Ça mériterait de retourner à Shanghai une 8ème fois. Allez, ça part à Shanghai. Ça part à Shanghai. Shanghai. Allez, il faut la Dragon Lore, mec, faut la Dragon Lore, et c'est le best case opening du monde. Yes, 77$ en plus de positivité, excellent. J'adore Shanghai, on y retourne. Ah bah, il va falloir que je la vende, la petite AWAP Medusa. C'est parti. Oh, la Dragon Lore, sa mère, 1720$. J'y suis, après tant d'années. C'est impossible. J'ai touché le bureau. C'est mort, on ne peut rien. Je comprends pas, c'est qu'on a fait exactement la même chose chez toi. Ouais, mais là, c'est bien. Ah bah si c'est chez moi, je suis content, là, c'est sur ma chaîne, parfait. Mais c'est pas grave, les gens sur ma chaîne, ils sont là pour la découverte. Là, vous êtes là pour appliquer les conseils dits de la vidéo d'avant. J'ai envie de te dire, viens, on essaye d'avoir ce couteau-là. Mais on a même pas besoin. On a tout. On a la M4, on a la Dragon Lord. On est arrivé au bout du jeu, on a fini. Game over, là. On a niqué le boss. Ça fait 2 ans que je veux un Glock. Ouais. Je fais vas-y pour le fun, viens on essaie d'avoir le 5 couteaux, le truc que j'ai mis 10 vidéos à voir. Je l'ai. Je fais, ce serait pas la meilleure vidéo au monde si on avait la Dragon Lore. Je clique, qu'est-ce qu'on a? La Dragon Lore. Et le truc dans tout ça, c'est que je ne m'en rends même pas compte. Pour moi, c'est naturel. Ce qu'on a eu, j'ai mis 2 ans. J'ai à voir chacun des objets. Ouais. Soit 6 ans de boulot. Et à perdre des fois, à faire des vidéos où je perdais 1000€, 2000, et puis je rentrais chez moi, puis c'était terminé. Je disais aux gens, bon bah voilà, c'était cool, salut. Puis je rentrais chez moi, je pleurais. Et bah moi, je suis très content que mon influence, parce que c'est avant tout ça, qui a permis du fun. Bah ouais, merci. Là, on rentre à la maison alors. Ah bah là, on va vendre, on va prendre en vacances, hein. Et la Redbox, c'est bon? Ouais, la Redbox est payée, c'est bon, hein. C'est... Ouais. Et bah merci top, beaucoup. Hein. Moi, je suis gêné, hein. Ah bah y'a pas de quoi, c'était cool. Bon, à plus, hein. Salut! Je rentre à Angers.
pas ça le projet. Non, c'est pas... Ça ressemble, mais est-ce que dans rien les commentaires, les gens, ils pensaient qu'il y avait mon studio, là? Rien à voir. Over. Salut, Amixem. Le lien du site sera dans la description, bien évidemment. Vous pouvez participer au giveaway Hellcase Winter. Il y a de la Dragon Lore, il y a de la M4, voilà, vous pouvez participer. C'est dans la description, il y a plein de moyens. Vous faites ce que vous voulez, Twitter, Facebook, machin, truc. On n'oublie pas, code promo, tout ça, vous pouvez ouvrir une caisse. Sur ce, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Merci beaucoup, à bientôt. Ton tigre, il a soif. Je lui donne toujours un petit peu de boisson énergisante, tiens. Il boit que ça, là, parce que... Tiens. Regarde qu'il est pas sorti de la cage, au moins. Non, c'est bon, nickel. Il te manque un bras, mais... Il te manque un bras, nickel. Impeccable.